Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mardi 12 septembre 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Avant de commencer, merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Eh bien aujourd'hui j'ai pigé la carte le procès. Il y a, vous avez peut-être un litige, une procédure en justice, peut-être un conflit, une problématique, un bilan peut-être aussi, hein. La carte du procès, eh bien, elle fait référence à la faculté de discernement. Oui, elle indique qu'il y a des décisions à prendre. Elle indique aussi la nécessité, eh bien, de trancher sur une problématique que vous vivez présentement. Elle invite à l'action et à faire preuve de justice et de fermeté pour résoudre les problèmes ou le problème qui se présente à vous présentement. Vous vivez peut-être, pour certains d'entre vous, un conflit d'intérêts et vous êtes préoccupé par ce conflit d'intérêts. Eh bien, il y a des décisions à prendre et on vous demande d'être juste dans vos décisions et d'être ferme. C'est surtout être juste. Sur le plan professionnel, eh bien, vous rencontrez peut-être un litige ou des litiges, et là on vous demande aussi de, par rapport à cela, de prendre du recul et de prendre une ou des décisions, mais toujours des décisions justes, n'est-ce pas, pour résoudre le ou les problèmes que vous avez professionnellement. Et sur le plan sentimental, eh bien il y a peut-être des malentendus dans votre couple. Il serait bon de les mettre sur la table, ces malentendus, parce que ça peut fausser certaines décisions. Donc, encore une fois, là, on vous demande la communication. C'est important. Pour d'autres, il serait peut-être question de divorce. Peut-être que vous allez passer devant la justice. Mais ne vous préoccupez pas de trop, car vous avez toutes les cartes en main pour résoudre, pour gagner. Ça, c'est cette carte pour aujourd'hui. En gros, vous vivez des conflits, n'est-ce pas? Des conflits d'intérêts et cela, ça vous préoccupe, mais rassurez-vous, hein, vous avez toutes les cartes en main pour tout résoudre. Il faut toujours être juste dans tout ce que l'on dit et de tout ce que l'on fait. Voilà. Il peut y avoir des malentendus, des procès, des conflits, des litiges, mais à partir du moment où on est honnête vis-à-vis de soi et honnête, juste honnête avec l'autre partie, eh bien, voilà, tout peut bien se passer. Je termine avec la sagesse Ho'oponopono. Je comprends la grandeur de mon être. Nous sommes des êtres de lumière, prenons conscience
de notre force ainsi que de notre puissance et soyons confiants dans nos capacités à relever les défis de la vie. Mais voilà, le procès, c'est un défi et vous êtes capable de le relever. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous embrasse. À demain.